Oui. Bonjour. Encore moi. Heureusement qu'on le vend. J'aime mieux l'objet, mais je sais pas du tout à quoi ça sert en fait. C'est vrai. À mon avis, par contre, c'est hyper pratique comme brise-vitre. Vous savez, si vous êtes en danger, par exemple, dans un avion, pour casser le hublot comme ça, là. Et que si comme ça, vous pouvez sortir par le hublot. Il est gentil. Bah après, il faut avoir la taille du hublot, hein, vous, c'est sûr que... Moi, je pourrais pas. Non. T'as des gros. Bah, c'est peut-être le bras, hein, c'est le coucou, là, comme ça, mais... Bon, enfin, je bien. Sais pas à quoi ça sert, en fait, voilà. Écoutez, c'est intéressant. Oui. Bon, ben, je vous laisse. Mais écoutez, à tout à l'heure. Oui, je vais la donner à Pépin, surtout. Ah, bonne chance, Pépin. Merci beaucoup. À quoi sert cet instrument, Pépin? On va voir comment ça marche, parce que ça me paraît tellement bizarre. Je suis allé en cueillir, on va faire le test. C'est bien gentil. Si j'y arrive, je vous ferai avec la foutille. Ah, bien. Ah, vous aimez ça? Attendez. Oui, quand il est bien fait. Attention, ça tâche, là, c'est un des mille. Faites attention. Et votre noyau ne sort pas. Bon, je vais m'entraîner, je reviens. Ah non, c'est comme ça. Regardez, hop là. Oh là là. Ah, voilà, maintenant, c'est bien. Ah oui. Non, mais à mon avis, c'est pour dénoyauter les avocats, ce truc. C'est une question de méthode. Je vais m'entraîner. Dénoyauté. Oui, j'ai dénoyauté. Je suis le dénoyauteur. Il est plein de projets sympas. Et vous savez, moi, je suis pour le fait de lancer la jeunesse vers des projets d'avenir. Dénoyauter des cerises, c'est un vrai truc. Quand même. Non, mais je pense que c'est porteur d'espoir.